Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes aujourd'hui le 10 octobre encore ensemble avec Karine pour notre café matinal Alléluia. Où nous allons grimper marche par marche cet escalier Amen. De la foi et de la guérison. Amen. Le psaume 141 verset 3 nous dit « Éternel, mets un garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « N'accordez pas d'autorisation au diable ». Voilà un principe scripturaire que beaucoup de chers chrétiens ne comprennent pas ou dont ils ne se rendent pas compte. De votre bouche, vous allez permettre soit à Dieu de vous dominer, soit à Satan. Pour être sauvé, vous devez confesser la seigneurie de Jésus. D'après Romains chapitre 10 verset 9, il nous est dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus » et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous autorisez Jésus à vous dominer en le confessant comme votre Seigneur. C'est alors qu'il commence à régner dans votre vie. Cependant, quand vous confessez la capacité de Satan à vous entraver, à vous empêcher de réussir, à vous tenir lié ou à vous rendre malade tout le temps, vous autorisez Satan à vous dominer. Il est le dieu de ce monde et il s'infiltrera là où vous lui permettez. Beaucoup de chers saints de Dieu ouvrent la porte au diable à leur insu, sans s'en rendre compte de ce qu'ils font. Mais ce sont eux néanmoins qui l'autorisent. Qu'ils soient conscients ou non de ce qu'ils font, c'est quand même de l'autorisation. Ceux qui ne parlent que de maladie sont dominés par elle. Combien de chrétiens, Karine et moi, nous avons rencontrés ou nous avons des messages sur WhatsApp, sur Telegram, de personnes qui confessent plutôt la maladie, la puissance de Satan, où certains disent « Voilà, je me sens lié, je suis lié, il y a une malédiction dans ma vie. » Vous croyez quoi, mon frère, ma soeur, qu'en parlant comme ça, Dieu va pouvoir vous bénir? Ce que nous croyons, mon frère, ma soeur, c'est ce qui nous arrive. Ce en quoi nous mettons notre confiance, mon frère, ma sœur, c'est ce qui va nous arriver. Si vous êtes en train de proclamer que vous ne réussirez jamais, que c'est toujours la même chose, vous croyez que Dieu peut inverser la tendance? Parce que votre croyance, mon frère, ma sœur, c'est vous qui la professez. Nous parlons ces jours-ci de la profession, mon frère, ma sœur. Nous devons, vous et nous, mon frère, ma sœur, proclamer de bonnes choses sur notre vie. Nous ne sommes pas en train de faire de la pensée positive comme beaucoup pourraient le penser. Je sais que beaucoup de critiqueurs, il y a un ministère de critiqueurs dans ce monde religieux qui épie ce que l'un dit, ce que l'autre dit. Mais vous savez, mon frère, ma sœur, la pensée positive, c'est de croire qu'on peut arriver à quelque chose sans l'aide de Dieu. Mais nous, mon frère, ma sœur, nous proclamons des choses parce que nous savons que nous avons besoin de l'aide et l'assistance de Dieu dans nos vies. Et ça, ce n'est pas de la pensée positive. Ça, c'est la foi. Parce que Jésus l'a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et quand nous ne sommes pas convertis, quand nous ne sommes pas nés de nouveau, quand nous sommes que de simples religieux et que nous disons, voilà, je vais avoir un grand ministère, je vais être un grand prédicateur, je vais être un grand évangéliste. Si nous pensons que nous allons y arriver sans être nés de nouveau, sans être remplis de l'esprit, mon frère, ma sœur, ça, c'est de la pensée positive. Mais quand notre vie est calquée sur la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, quand nous savons que notre vie est calquée sur l'œuvre de Jésus-Christ, sur la glorification de Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, ça, ce n'est pas de la pensée positive. Ça, c'est la foi, ça. Parce que la Bible nous dit qu'avec Dieu, pas avec Salvatore, pas avec Karine, avec Dieu, nous ferons des exploits, mon frère, ma sœur. Avec Dieu. Ça, ce n'est pas de la pensée positive. Mais aujourd'hui, nous avons aujourd'hui ces mercenaires, ces ouvriers de Satan qui épient, qui regardent. Ils n'ont eux-mêmes aucune puissance. Alors que la Bible nous dit dans Marc chapitre 16, à partir du verset 16, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui y auront cru. » Et nous voyons toute une série de choses, de miracles, de prodiges, de puissance qui est exercée par l'œuvre de Dieu. Grâce à Dieu, grâce à Jésus, grâce au Saint-Esprit, mon frère, ma sœur. Ça, ce n'est pas de la pensée positive. Ça, c'est la foi.
nous confessons la parole de Dieu. Nous confessons ce que la parole de Dieu dit que nous pouvons faire. Ça, c'est la foi, mon frère, ma sœur. Et si déjà tu as un ministre de Dieu dans ta vie qui ne croit pas aux miracles, aux guérisons, à la délivrance, mon frère, ma sœur, commence à prier pour avoir une bonne église, mon frère, ma sœur. Parce que là où il y a Dieu, mon frère, ma sœur, il y a les miracles qui s'opèrent. Jésus a dit que si le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, nous libère, nous serons réellement libres. Et combien aujourd'hui sont esclaves de la religion? Esclaves de sectes. Mon frère, ma sœur, notre Dieu règne. Notre Dieu est assis sur son trône et il règne. Le livre de Révélation nous le dit. Jean a vu un trône et un homme y était assis. Dieu est sur son trône et il règne, mon frère, ma sœur. Il règne sur ta vie. Il règne sur ta maladie. Il règne sur tes échecs. Il règne sur tes péchés, mon frère, ma sœur. Demande l'assistance et l'aide de Dieu, mon frère, ma sœur. Et Dieu va te secourir. Quel est le père dont son fils lui demande un poisson, il lui donnerait un scorpion, la Bible nous dit. Demande à Dieu et Dieu va te secourir. Dieu va t'aider, mon frère, ma sœur, au nom puissant de Jésus. Voilà, nous voici toujours et encore dirigés de la même manière sur la déclaration de notre bouche. Je crois que, mes bien-aimés, ce mois d'octobre va être un mois de déclaration, un mois de puissance. Et moi, ma chérie, je n'attends pas que tu le déclares sur ta vie. Je te bénis. Amen, amen. Je te bénis abondamment. Amen. Toute malédiction qui a été lancée contre ta vie est descendue et tombe en poussière maintenant au nom de Jésus. Amen, amen. Je reçois, mon bien-aimé. Et sur vous aussi, mes frères et mes sœurs, parce qu'on vous aime. Exactement. Nous sommes là les uns pour les autres. Nous sommes là pour être conduits par l'Esprit de Dieu à réfléchir encore aujourd'hui sur nos vies et sur la façon de sortir de nos problèmes et de nos difficultés et enfin entrer dans les plans que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Et j'aime à le répéter, il y a un plan en réserve pour chaque enfant de Dieu. Amen. Pour chaque personne qui a accepté Christ dans sa vie comme son sauveur et comme son Seigneur. Dieu a établi des plans de paix et de bénédiction et non de malheur, mes bien-aimés. Donc, nous sommes ici ensemble pour réfléchir sur ces voies et enfin prendre possession de ces plans merveilleux qu'il a en réserve pour nous. Et comme le disait cette pensée d'aujourd'hui, nous voulons faire cette bonne déclaration ensemble en disant « Je tiens la porte fermée au diable. » Oui, je tiens la porte fermée au diable. Je ne lui permets pas de s'insinuer, de s'infiltrer, d'entrer dans aucune partie de ma vie. Je veille sur les paroles de ma bouche en ne prononçant que de bonnes choses, celle qui appartient à la parole de Dieu, afin que la gloire et l'honneur reviennent à mon Seigneur. Mes bien-aimés, si nous réfléchissons un peu en symbolisant ceci de la même manière, nous sommes chez nous, à la maison, donc nous sommes propriétaires de cette maison, nous détenons les clés de la porte d'entrée de notre maison, et nous savons qu'il y a un ennemi, une personne qui nous veut du mal et qui se tient à la porte. Est-ce que vous allez prendre les clés et lui ouvrir la porte? Est-ce que vous allez le laisser entrer dans votre maison? Quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse dehors, est-ce que vous allez le laisser entrer? S'il commence à crier haut et fort dans la rue, pied de votre porte, que vous êtes quelqu'un de méprisable, que vous êtes ceci ou que vous êtes cela, est-ce que vous allez lui ouvrir la porte et le laisser entrer dans votre maison? Non, vous allez laisser cette porte fermée. Vous allez appeler les autorités pour qu'ils viennent faire partir cette personne qui en veut à votre vie. Eh bien, c'est un peu la même chose dans notre vie chrétienne. Amen. L'ennemi se tient à la porte de notre cœur, à la porte de notre vie.
Il est là dehors et il crie très haut et fort que nous n'arriverons jamais à rien faire, que nous serons toujours dans l'échec, que nous serons toujours malades, que notre famille sera toujours divisée, que nos enfants n'arriveront jamais à rien. Il prononce des paroles inlassablement sur notre vie. Il crie haut et fort, là dehors. Et nous l'entendons. Nous entendons les pensées qui s'élèvent de notre ennemi, les paroles qu'il nous adresse jour et nuit. Nous les entendons. Et Jésus-Christ nous a dit ceci à propos de nous, chacun d'entre nous qui sommes ses fils et ses filles. Quand vous étiez autrefois des enfants, vous faisiez appel à l'Éternel et il venait vous délivrer. Mais maintenant que vous avez grandi en stature et en maturité, mes bien-aimés, il vous a donné l'autorité et le pouvoir de chasser cet ennemi loin de vos vies, de l'éloigner, de le repousser, de l'anéantir au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est ce que je voudrais vous laisser encore aujourd'hui, c'est que vous avez la puissance dans votre bouche de repousser votre ennemi. Quelles que soient les paroles qu'il profère sur vos vies, sachez que l'Éternel vous a béni de toute bénédiction dans les lieux célestes. Amen. Il vous a donné un foyer, une maison, une propriété, le temple dans lequel réside l'Esprit de son Fils Jésus-Christ. Et maintenant, vous devez laisser cet Esprit régner dans vos vies, prendre toute la place, devenir l'unique propriétaire. Et ainsi, vous devez ouvrir vos bouches et laissez l'Esprit de l'Éternel parler avec autorité et avec puissance sur la vie de l'ennemi qui essaie inlassablement de vous détruire dans tous les domaines de votre vie. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je vous encourage à prendre la parole de Dieu comme une arme efficace entre vos mains et à la proclamer dans vos vies, à la proclamer dans votre foyer, sur votre famille, sur votre couple, sur vos enfants, sur vos finances, sur votre corps, sur votre maladie. Proclamez la bénédiction, proclamez la santé, proclamez la restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Vous avez l'autorité de repousser cet ennemi. Alors, n'hésitez plus, levez-vous, ne soyez plus des enfants ballottés à tout vent de doctrine, mais prenez conscience du véritable évangile qui vous est prêché encore aujourd'hui. La parole de Dieu est une arme puissante et efficace qui repousse tous nos ennemis. Alors mes bien-aimés, soyez des vaillants héros, des guerriers et des guerrières et prenez possession des plans que Dieu en réserve pour chacun d'entre nous. Quant à nous, nous nous retrouverons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis mes bien-aimés. À demain.